Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, on est en rediffusée, on devait être en direct avec Chantal Goupil, l'auteur du livre Le Chant de la Sirène aux éditions Louise Courteau de la collection Ufologie Profonde. On a eu des petits problèmes techniques, mais on est là avec grand bonheur parce que j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir faire l'entrevue avec toi, Chantal. Bienvenue, Chantal, merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup pour ton invitation, c'est super gentil. Écoute, écoute, j'étais toute triste, je dis, non, ça se peut pas qu'on puisse pas jaser ensemble. C'est comme si j'avais hâte d'avoir cet échange-là avec toi sur cette expérience-là. Et puis, avant de commencer, on doit mentionner que ça t'a pris... C'est toute une expérience que tu as vécue, puis ça t'a pris beaucoup de courage d'approcher Jean Cazot avec ça. Oui, effectivement, parce que en réalité, lorsque j'ai rencontré Jean pour la première fois, c'était à une rencontre de la QU. Et puis, lors de cette rencontre-là, moi, j'ai eu comme vraiment un ressenti très, très profond pour Jean. Et le lendemain de la rencontre où il faisait, dans le fond, une conférence, une présentation, c'est ça. Donc, le lendemain, moi, je lui ai envoyé un petit courriel. Et puis, je lui ai parlé de ma propre expérience parce que ce qu'il avait dit à ce moment-là, ça m'avait beaucoup interpellée. Et là, lui, à ce moment-là, il m'a invité à une de ses émissions dans laquelle je me suis vraiment livrée, mais sous le couvert de l'anonymat total. Donc, pour moi, c'était totalement exclu de mentionner mon nom, de quelle ville j'étais, etc. Donc, je voulais absolument aucunement divulguer ça. Et par la suite, on a continué de communiquer ensemble par courriel. Et c'est à ce moment-là que Jean m'a demandé à quelques reprises d'écrire justement un livre sur toutes les expériences, dont quelques-unes que j'avais parlé à ce moment-là à son émission radiophonique. Et pour moi, encore là, c'était un non catégorique. Je voulais absolument pas divulguer ça ouvertement. Non, toi, tu voulais faire un roman avec ça. Bien, c'est ça. C'est parce que moi, dans le fond, depuis que je suis toute petite, que je veux devenir un auteur. Et j'avais quand même un peu de talent là-dedans aussi. Et c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps. Mais quand Jean m'a parlé d'écrire mon histoire, je me suis dit... quitte à l'écrire en tant que roman, parce que justement, de cette façon-là, personne ne va savoir, parce que c'est un roman de fiction, donc personne ne va savoir que c'est réel. Il y a juste moi, mais ça peut faire une très bonne histoire. Exactement. Et tiens, je vais montrer le livre, je ne l'ai pas montré encore. Donc, Le Chant de la Sirène. Avant d'avoir ton expérience avec on les appelle les êtres des étoiles, les extraterrestres, tu avais quand même une facilité au niveau de la médiumnité, de la clairvoyance et tout ça? Avant de faire ma avant rencontre? De, oui, avant de les rencontrer. Plus jeune. Non. Des aptitudes. Pas nécessairement, parce que moi, dans le fond, la première expérience, c'est vraiment à l'âge de 12 ans. Alors que là, vraiment, il y a comme un objet volant non identifié qui s'est arrêté au-dessus de notre propriété. Puis comme je te dis, moi j'avais 12 ans et puis c'est ma mère et ma sœur qui l'ont observé en pleine nuit dans le ciel. C'était stationnaire au-dessus de la maison, ça ne bougeait pas. Et moi, dans ma chambre d'enfant, bien, ma chambre est venue toute blanche. Mais à la suite de ce blackout-là, quand ma chambre est venue toute blanche, moi ça a été le blackout. Et le lendemain... Bien là, après ça, ma vie a complètement changé parce que c'est là que tout a déboulé. C'est au lendemain de cette expérience-là, mais pas avant cette expérience-là. OK. Parce que j'ai lu dans le livre que vers l'âge de 9 ans, à peu près, tu aimais bien jouer au Ouija. Fait que je me suis dit... Je me suis dit que c'était déjà... C'est comme si tu avais déjà des... prédispositions un oui, peu. Oui, exactement. Fait que je me demandais... En fait, c'est comme un ressenti, hein, parfois qu'on peut avoir. Puis peut-être que je sentais que j'avais une certaine capacité, mais j'étais très jeune, donc j'en avais pas vraiment conscience à ce moment-là. OK. Alors, à tes 12 ans, là, il arrive quelque chose, mais personne ne te croit. Ta famille ne te croit pas vraiment, là. Bien, j'en parle à personne, premièrement. OK, c'est ça.
C'est ça, c'est qu'en réalité, au lendemain du moment où l'engin volant non identifié a été stationnaire au-dessus de la maison, puis que dans le fond, j'ai su seulement qu'en 2018 par une hypnose, une régression hypnotique, si on veut, qu'est-ce qui m'était arrivé exactement. Ben, c'est vraiment au lendemain de ça que là, ma vie a changé, mais tout ce qui m'a arrivé par la suite, je ne divulguais pas à personne, je gardais ça pour moi, ça faisait partie de ma vie, puis c'était normal pour moi. C'était pas, je ne considérais pas que c'était un secret non plus, là, en aucune façon. Mais OK. ce qui m'appartenait, qui faisait partie de ma vie, puis j'en parlais pas à personne. C'était comme ça. Est-ce que tu peux nous donner les détails de ce qui s'est passé? Tu veux dire quand j'étais dans le vaisseau? Mais ouais, toute la démarche là, qu'est-ce qui est arrivé au juste? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, en réalité, moi, comme je te dis, quand j'étais jeune, au moment où c'est arrivé, ma chambre est venue toute blanche, très, très, très éclatante. Et puis, à un tel point qu'il n'y avait même pas d'ombre à nulle part. Et là, à ce moment-là, c'est le blackout total. Donc là, moi, je me réveille le lendemain matin. En me réveillant, j'ai très, très mal aux jambes. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal aux jambes, mais j'ai extrêmement mal aux jambes. Et mes parents dans la cuisine parlent de l'incident de la veille. Et par la suite, là, je te dirais peut-être quelques jours, peut-être une semaine, c'est très difficile à dire exactement dans le temps, mais dans ce même été-là, je me suis mis à respirer sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment incroyable, là. Tu sais, T'as c'est... comme senti qu'il y avait quelque chose de physique qui permettait de le faire, parce que je veux dire, il y a comme un déclic qui s'est fait dans toi au niveau du plexus solaire. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment pas moi. Moi, je contrôle. J'ai Non. jamais contrôlé, puis je le contrôlais pas non plus au Ça s'est moment où. fait naturellement. C'est fait naturellement dans une espèce d'état d'extase incroyable. J'étais tellement bien, tellement. J'étais OK. dans le même monde. Tu sais, c'était comme. Ça m'a transporté littéralement. Et puis, à ce moment-là, j'ai vraiment senti le déclic. Tu sais, ça se situait vraiment au niveau du plexus ici. C'est comme quelque Il y a chose comme qui. une balance qui se faisait là, ouais. C'est ça, exactement. Et je me mettais à respirer sous l'eau, mais pas par le nez, pas par la bouche. Par l'intérieur. Vraiment au niveau ici, là, tout ça montait, ça descendait au niveau de l'abdomen. Mais Ouais. il n'y a rien qui rentrait par mon nez, par ma bouche. Puis c'est l'air qui circulait en moi, c'était vraiment frais, léger, d'une légèreté incroyable, d'une fraîcheur exceptionnelle. Puis au début, quand ça m'arrivait, parce qu'il faut comprendre que quand on est en dessous de l'eau, à un certain moment, on a besoin de respirer comme tout le monde, de remonter à l'air libre, si tu veux. Et puis, mais moi, tu sais, au lieu de remonter à l'air libre, c'est comme si je tombais dans un état d'extase. Et là, le déclic arrivait. Et quand ce fameux déclic-là arrivait, bien, il faut comprendre que j'étais essoufflée parce que là, j'étais atteint au bout de mon souffle, là, si on veut. Et quand je me mettais à respirer de l'intérieur, tu sais, je pompais un peu pareil comme si je serais remontée à la surface de l'eau, exactement comme n'importe qui. Puis là, après ça, bien, mon rythme redevenait normal, puis je pouvais rester là indéfiniment. Wow. C'est vraiment fou, même que je continuais à jouer avec mes petites amies, puis parfois, ils ont eu très peur, puis Ben, c'est ça. même les parents qui nous surveillaient parfois. Parfois, on était toutes seules dans la piscine. C'était une autre époque. Et parfois, il y avait... une mère qui était là à nous surveiller et c'est arrivé à quelques occasions qu'elle a eu très peur. T'sais, elle pensait que j'étais en train de me noyer parce que ça faisait longtemps que j'étais sous l'eau. Mais non, j'étais pas. Puis quand je ressortais de l'eau, même si ça faisait 15 minutes, une demi-heure, peu importe le temps, jamais j'étais essoufflée. Là. Quand je remontais à la surface, C'était bien. j'étais bien. Je pense que Ouais. tu as testé le nombre de temps que tu es allé, comme une demi-heure, quelque chose comme ça. Oui, mais ça aurait pu être beaucoup plus long que ça. Ça, C'est c'est juste ça. un test qui a été Ben quand fait. même, une demi-heure. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le film, là, le nouveau film Avatar, ça doit te parler, ce film-là, d'ailleurs. Oui. Dans le nouveau film Avatar, une des actrices principales, là, est toute contente parce qu'elle peut rester 7 minutes en dessous de l'eau avec beaucoup de concentration puis beaucoup de travail. Donc, quand on parle de ce que tu as vécu, ça n'a rien à voir avec. Oh, tu pourrais-tu juste fermer ton Messenger? Il y a du monde qui veulent te parler. Merci.
pense. Oui, OK. C'est bon, pas de problème. Alors, qu'est-ce que je disais? Tu sais, ça n'a rien à voir avec un exercice de concentration, ce qui t'est arrivé. Non. Puis ce que je comprends, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus cette faculté-là, c'est que Non. ça te prenait un état spécial pour arriver là. Exactement. C'est vraiment, moi, je comparerais ça à un état de grâce. C'est incroyable. Je devais ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être. Puis quand je ressentais que j'étais bien, je me laissais flotter dans l'eau, je relaxais. Tout d'un coup, cet état-là arrivait, mais comme je t'explique, c'est quelque chose qui ne s'est jamais commandé. Jamais, jamais, jamais. Je n'avais pas le contrôle là-dessus en aucune façon. Sauf quand je respirais en dessous de l'eau, exemple, j'avais le déclic. Par la suite, si je remontais, admettons, à la surface pour pas effrayer mes amis ou peu importe, aussitôt que je retournais dans l'eau, c'était encore là. Mais dans une autre plage horaire, là, à ce moment-là, ça me prenait un nouveau déclic et là, je commandais rien. C'est dans ce sens-là que je ne commandais pas le fameux déclic. C'est ça. Oui. Alors là, à la suite de ça, bon, ben là, tu vis ta vie, puis là, tu as un conjoint, puis ce conjoint-là, il te fait vraiment peur avec cette aptitude-là. Oui, c'est ça. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un tel état De grâce. de grâce, ou je ne sais pas Oui. comment l'expliquer exactement, se faire sortir de là brusquement, Ouais. la personne a peur, ben c'est très traumatisant. Ça, c'est comme si ça te tire d'un état et ça te marque à vie par ce geste brusque-là. Ce qui a fait, Donc, ben, explique ce qu'il a fait parce que les gens vont se demander. c'est ça, c'est parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que moi, j'étais avec un conjoint qui avait deux enfants. Et puis, ben, pas deux, mais quatre, mais je veux dire deux dans la piscine à ce moment-là. Deux petites qui étaient en train de dormir dans un parc des jumelles. Et puis, là, on s'amusait à qui retient le plus longtemps sa respiration sous l'eau. Et donc, on s'amusait. Puis tout d'un coup, moi, dans tout l'énervement de tout ça, j'ai juste lancé. Regardez-moi bien aller, tout ça, parce que là, tu sais, c'est comme que dans l'arrière-plan, moi, j'avais toujours à l'esprit que je respirais en dessous de l'eau, si tu veux. Sauf que je savais que ça ne se commandait pas, mais c'était juste une niaiserie que j'ai lancée comme ça. Et là, je les regardais s'amuser, les petites, et je suis tombée vraiment bien heureuse, comme un état d'amour. Je les regardais, je les trouvais donc belles, je les aimais, puis. Et là, le fameux déclic est arrivé. Et là, quand ça faisait un bout de temps quand même, les petites remontaient, redescendaient, étaient fous d'énerver. Et là, tout d'un coup, ce conjoint-là, qui n'est plus mon conjoint aujourd'hui, m'a tiré de l'eau. Par Il les m'a cheveux. pris par les cheveux, il m'a vraiment tiré d'un coup. Puis là, ben là, il pensait que j'étais en train de me noyer, puis il m'a vraiment comme invectivé, puis tout ça, puis. Là, moi, j'essayais de lui faire comprendre. C'était la première fois de ma vie que j'étais face à ça, parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, que je n'avais jamais dévoilé à personne. Donc, c'est comme si cette capacité-là était vierge de toute peur, de toute crainte, d'aucune sorte. Moi, c'était à moi, ça m'appartenait, puis j'avais aucunement peur de ça, là. Mais lui, il n'arrêtait pas de me dire que j'allais me noyer et tout ça. Puis là, Puis de j'essayais de. faire peur aux enfants aussi. Mais ben là, les enfants, il les a fait rentrer dans la maison parce que là, C'est ils ce qu'il criaient avait un peu. peur. C'est ça, il a dit, allez vous chercher une collation, ce qui est très bien, là. Et puis, là, à ce moment-là, ben moi, j'ai tenté de lui expliquer que j'avais toujours fait ça toute ma vie, qu'il n'y avait pas à avoir peur. Je vais te montrer, parce que là, vu que je viens de respirer en dessous de l'eau, je me suis dit, je vais être capable de le refaire, malgré que là, les circonstances étaient exceptionnelles parce qu'il me stressait en Ouais. tabarnouche. Donc, mais c'est pas grave, là, je me suis calmée. Là, j'ai dit, regarde, calcule le temps que je vais être en dessous de l'eau. Je vais te parler par signe, tu vas voir que je vais bien, que je suis pas en train de me noyer, tout ça. Puis je pense que juste comme pour prouver que j'avais tort, il a accepté. Et puis là, ben, j'étais en dessous de l'eau, puis là, je faisais des signes, puis lui, il regardait son bracelet montre, puis il calculait les minutes. Puis 1 minute, 2 minutes, puis là, il levait les doigts comme ça, puis là, à un moment donné, quand ça l'a fait vraiment longtemps, là, je me suis dit, bon, ben, à ce point-ci, il a compris, sûrement, hein, que ça va bien, puis tout ça. Fait que j'ai remonté. Mais là, il n'était plus là.
Il était comme inanimé, il avait les yeux ouverts, tout ça. Là, il tenait son bracelet montre, mais c'est comme s'il n'était plus là. Ça l'a traumatisé. Et puis, quand il est revenu à lui de ça, là, c'est là qu'il m'a fait jurer, encore en criant, de ne plus jamais recommencer, que j'allais me noyer. En tout cas, il me l'a fait jurer vraiment plus qu'une fois sur la tête de mes enfants, qui était la prunelle de mes enfants, faut pas toucher à ça. Donc là, j'ai eu vraiment peur. Il a instauré vraiment quelque chose en moi. C'est aussi fort qu'un encre indélébile. Tu sais, c'est vraiment quelque chose. Un traumatisme, un vrai traumatisme, malheureusement. Je ne dis pas que je n'ai pas encore cette capacité-là en moi. Je dis juste que j'ai plus jamais eu le déclic. Non, mais je suis contente de te parler parce que je comprends que c'est un état de grâce, puis un état de grâce, il y a quelque chose énergétique aussi là-dedans qui a à être là pour que tu arrives à cet état-là de pouvoir respirer dans l'eau, de respirer en fait ton air à toi. Et puis, par la suite, t'as pu. Une de mes questions, c'était, est-ce que physiquement, ils ont trouvé des changements dans toi, les médecins? Ben moi, comme je te dis, au lendemain de l'expérience de l'objet volant qui était au-dessus de chez moi à 12 ans, je me suis réveillée avec un mal de jambe et ce mal de jambe-là a perduré jusqu'à à peu près mes 16 ans. Oui, quand même. Pas à tous les jours, mais par vague. Et c'était à un tel point que les jours où j'avais mal aux jambes, je faisais de la température, je n'étais pas capable d'aller à l'école du tout, du tout. Je ne tenais pas sur mes jambes. Et ma mère a consulté à plusieurs reprises le médecin. Et lui, il trouvait pas de raison médicale à ça. Il comprenait absolument pas. Il dit, ça doit être des poussées de croissance incroyablement exceptionnelles, là. Sur 4 ans, quand même, ça Ben, commence sur à être 4 ans, long, c'est ça. oui. C'est sûr que je suis quand même assez grande, 1,80 m, mais je veux dire, j'ai poussé quand même rapidement. Mais C'est quand moi, même. j'ai fait des recherches sur le sujet, puis j'ai jamais entendu parler de poussées de croissance qui peuvent occasionner de faire de la température, que ce soit vraiment incapacitant à ce point-là. Et ça s'est passé vers l'âge de 16 ans. Et aussi, à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des excroissances osseuses en arrière de mes deux talons. Donc, Et ça, c'est ça, hein, parce qu'il se demandait comment ça se fait que c'était les deux talons, parce qu'habituellement, c'est un. c'est ça. Habituellement, quand quelqu'un a une excroissance osseuse, c'est plutôt exceptionnel. Et c'est localisé à un endroit, mais pas à deux endroits identiques, la même grosseur et tout et tout. Et lorsque je me suis, quand j'ai vécu ma régression hypnotique et que j'ai revécu tout ce qui m'était arrivé, ben à ce moment-là, dans ce que j'ai, de ce que j'ai vécu, on m'a vraiment, il y avait deux êtres blancs qui étaient comme des petits gris, mais ils étaient tout blancs. Et ça, ce sont des êtres qui étaient la grandeur de nain et qui avaient une grosse tête avec des yeux noirs, pas de paupières, des grands yeux noirs, pas de paupières, pas d'oreilles, juste deux trous pour le nez, une mince fente pour la bouche. Et puis tout le corps était tout blanc, puis je voyais pas de vêtements du tout à ce moment-là. C'était vraiment uniforme. Et un de ces deux êtres-là m'a touché la plante du pied. Le premier, ça a été le pied droit. Ça a fait mal comme un aiguillon. C'était horrible la souffrance que j'ai endurée. Et après ça, il a touché la plante de mon pied gauche et ça a été encore la même souffrance horrible. Donc, ça a été la première chose qu'ils m'ont faite. Et puis, par la suite aussi, ils m'ont fait comme un genre d'opération dans l'abdomen. Et c'était une opération, c'était au travers de la peau. Leurs mains rentraient comme au travers de tout ça, puis touchaient tous les organes. Et ils ont été brûlés quelque chose dans mon abdomen. Donc, c'est ça. C'est peut-être de là que les deux bosses en arrière des pieds viennent, le mal de jambe, la faculté de respirer sous l'eau. C'est peut-être ce qu'ils m'ont fait dans l'abdomen, je ne sais pas. C'est drôle, hein, parce qu'en lisant ça, ce qui m'est venu, c'est comme si on faisait un test sur un être humain, à savoir si éventuellement, on aurait des cataclysmes au niveau de la planète, puis qu'on serait immergé d'eau. Est-ce qu'un être humain pourrait vivre dans l'eau? C'est la première chose qui m'est venue.
hein, de cette expérience-là. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Ben, moi d'ailleurs, là, je vais te dire, là, ça fait plusieurs années que je fais toujours le même rêve qui est une réalité surprenante, donc je suis pas sûre que c'est un rêve. Et dans ce rêve-là, moi, il y a toujours une immense vague de peut-être 4 étages qui s'en vient, puis on est tous là, tous les gens autour crient, tout le monde se sauve, etc. Et moi, je la regarde qui s'en vient vers moi, puis je sais que moi, j'ai pas de problème. Et quand elle arrive proche, le mur d'eau qui est vraiment, tu sais, imagine un tsunami de 4 étages, là, la force que ça peut avoir. Moi, je plonge dans mon rêve, dans la vague, même si c'est impossible en réalité. Écoute, quelqu'un serait mort sur le coup. Et je me remets à respirer automatiquement en dessous de l'eau. Et ce rêve-là, après, il se transforme, que je me retrouve à être dans une espèce de petit bateau, peut-être 16 pieds de long, vraiment un tout petit bateau, quelques mètres seulement. Et le bateau est entraîné par un fort courant dans les rues d'une ville. Et là, il y a plein de déchets partout, tu sais, de choses qui se promènent dans l'eau partout aussi. Et moi, j'essaye de manœuvrer le bateau du mieux que je peux, mais j'ai toujours ce sentiment que c'est une catastrophe imminente. Je ne sais pas, Qui c'est bizarre. serait là, hein, une possibilité de ça. En tout cas, c'est ce qui m'est venu. C'est comme si je ressens que peut-être je vais avoir un rôle à jouer dans ça. T'sais. Je ne sais pas. Je peux pas m'avancer là-dessus non plus, là, mais en tout cas, Non, c'est mais ça. bon, c'est ce qui me venait. Et par la suite de ça, c'est là qu'on relie un petit peu les capacités là, psychiques avec ça. Est-ce que toi, tu sais, je pensais à ton vieux monsieur français. Donc, dans la partie, deuxième partie du livre, pourquoi avoir parlé de ces expériences-là? Parce que c'est vraiment un tout, hein. Cette capacité-là, ça vient vraiment avec une trousse complète. C'est vraiment une trousse de capacités qui, encore là, ne se contrôle pas en aucune façon. Donc, il m'arrive un paquet de choses. C'est comme si on m'accompagne et on me laisse savoir que je ne suis pas seule. On me le démontre de toutes sortes de façons. Qui pour la plupart n'ont même pas rapport une avec l'autre, que ce soit parler avec des morts, voir des choses du futur, me sauver d'une mort certaine, tu sais, peu importe, même avoir des visiteurs qui n'existent pas finalement, qui viennent me visiter pour me sauver. Donc, il y a un paquet de choses comme ça qui m'arrivent, mais tout ça, ça fait partie toujours de la même capacité qui m'accompagne depuis mes 12 ans et qui me fait qui me fait un petit coucou, on est là, on t'accompagne. Donc, c'est comme ça que Comme je le. je sais que Jean, dans notre entrevue, il parlait de quand t'es tombé puis que t'es revenu à la verticale. Raconte-moi ça. Mais j'étais vraiment. Je m'apprêtais à descendre l'escalier d'un appartement qui était situé au deuxième étage. Et puis, il y avait une dame qui était dans le bas de l'escalier qui ramassait justement sa poste. Et puis, une voisine. Donc, moi, j'avais une grosse boîte dans les mains et j'avais un manteau. Et puis, le manteau était quand même long jusqu'aux chevilles. Et lorsque j'ai commencé ma descente, mon pied droit s'est pris dans l'ourlet qui était décousu de mon manteau, mais j'avais les deux mains prises par la grosse boîte et j'ai pas eu l'instinct de lâcher la boîte, me tenir sur la rampe. Ça s'est fait tellement vite, mon pied est resté pris que là, mon corps, il s'est vraiment penché. J'étais vraiment rendu, j'étais en train de tomber. J'étais vraiment, vraiment basse, là, tu sais. Et la personne d'en bas qui a tout vu ça, qui était sur le palier du bas, s'est mise à crier. Elle a vraiment eu peur. Et d'ailleurs, pour elle, si j'étais tombée, je serais tombée sur elle. Ça aurait fait deux blessés graves. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a redressée. J'ai senti une présence et la présence m'a redressée complètement à la verticale dans ma position initiale. Et on m'a même retenu, j'ai même eu le temps d'enlever mon pied de l'ourlet
Et je me suis remise à descendre l'escalier, ni vu ni connu. Et là, la voisine, qui était toujours sur le palier du bas, avait la bouche ouverte sur le plus gros pot que j'ai jamais vu de ma vie. C'était là, elle était sidérée, elle ne parlait plus. Moi, j'ai continué mon bonhomme de chemin, j'ai descendu dans le sous-sol, porté ma boîte dans mon petit cubicule. Et puis, quand je suis remontée, je m'attendais presque à la voir encore dans cette même position-là, tellement elle était sidérée, mais là, elle était partie. C'est difficile, hein, pour les gens de voir, c'est comme ton ex-conjoint, de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est au-delà de ce qui est la normalité. Oui, ben oui, c'est sûr. Puis même pour un conjoint, c'est pas facile, tu sais. Je peux te raconter un autre exemple. Nous, on avait, qui se retrouve dans mon livre aussi, nous, on avait un grand terrain avec une tente roulotte qui était au bout du terrain. Puis, il y avait une rivière, c'était bordé d'une rivière en arrière de ce terrain-là. Donc, on avait un quai un peu plus bas aussi, de peut-être une quinzaine de pieds plus bas, je te dirais. Et notre tente roulotte, on l'installait toujours sur le bord du terrain à chaque été, mais il fallait toujours la remonter à l'automne parce qu'il y avait des crues des eaux après l'hiver, à chaque année. Donc, on ne prenait pas de chance. Quand la belle saison était terminée, on la remontait, puis on la remontait vraiment beaucoup, beaucoup plus haut sur le terrain parce que cette partie-là du terrain était inondable, mais uniquement à la crue saisonnière au printemps. Donc, cette année-là, on installe la tente roulotte comme d'habitude, etc. Et on est rendu au mois de mai. Et là, on ne parle plus de crue des eaux. Ça fait longtemps que c'est passé à ce moment-là au Québec. Et il fait très beau, tout ça. La tente roulotte est bien installée, etc. Et une bonne journée qu'on remonte en voiture pour s'en aller chez nous, une journée de pluie, j'ai une vision. Donc, à ce moment-là, je suis assise à la droite de mon conjoint qui conduit. Et moi, je perds complètement la vision pour voir à la place. Clairement, comme si c'était une image, une photo, notre tente roulotte qui est dans l'eau presque plus que la moitié. Donc là, je lâche un cri. Mon mari il me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je lui dis ma vision. Fait que là, il dit, ah, ben, ça doit être à cause de la pluie qui tombe présentement. Il pleuvait vraiment beaucoup. Ça doit être ça qui me donne ce feeling-là. Je dis, non, tu ne comprends pas, là. Il faut absolument remonter la tente roulotte du bout du terrain et l'amener proche de la propriété parce qu'elle va être inondée. Et là, lui, il ne me croit pas. Puis c'est quand même du travail de tout démonter ça, replier la tente roulotte, remonter ça. Puis là, en tout cas, après un petit peu de parlementation, si on veut, je laisse tomber parce que c'est vrai que je sais que c'est bien du travail, tout ça. Puis je me dis, bof, peut-être qu'à quelque part, j'ai imaginé ça, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai vu clairement comme je te vois, là, Suzy, là. Vraiment clairement. Je laisse couler, je me dis, bon, c'est ça qui est ça. Le lendemain matin, on se réveille et qu'est-ce qu'il y a? La tente roulotte qui est dans l'eau. Lui, mon mari, as-tu vu mon mari, même lui, ne me croyait pas. Et il est arrivé bien d'autres affaires comme ça que même moi, des fois, j'ai de la misère à me croire. Tu comprends? C'est tellement. Est-ce que, comme quand tu es tombé, là, puis pas que tu es revenu à droite, est-ce que tu sais qui t'accompagnait? Est-ce que tu sens qui t'accompagnait? Est-ce que tu penses que c'est ces extraterrestres-là, des guides, des archanges, des anges gardiens? Moi, je pense que c'est toujours la même force. C'est une force, tu la décris comme une force? C'est toujours la même force qui se situe vraiment au niveau extraterrestre pour moi. Parfait. Bon, c'est toujours ça qui m'accompagne, oui. J'ai l'impression. Écoute, je peux pas Non, jurer. c'est important ton senti parce que ton Merci. senti, il est fort. Et c'était ma question parce que moi, j'ai vécu des choses que je le sais que on peut les contacter par télépathie. Donc, ils sont présents. Pourquoi? Puis on dit que, comme Jean a dit, t'es choisi, t'as été choisi, mais en même temps, c'est un accord au niveau de ton âme d'avoir vécu ça avec eux. Et puis, Avant la naissance. est-ce que t'as eu d'autres contacts ou sentis visuels avec eux ou pas? Non, ça a été C'est la ça, seule. hein? OK. Par contre,
c'est ça, tout au long de ma vie, il m'est arrivé un paquet de choses. Puis même, comme j'explique dans mon livre aussi, parfois des visites de personnes qui n'existent même pas en réalité. Donc, est-ce que c'est, quand on dit, est-ce que tu as eu d'autres rencontres ou expériences Qu'est-ce qui... que tu veux dire par des personnes qui n'existent pas? Ben, comme exemple, j'étais à l'hôpital parce que je faisais une pneumonie, étrangement, pour une sirène. Et puis, les médecins m'avaient condamné, donc j'allais décéder. Et on l'a annoncé à mon mari, à toute la famille, etc. Donc, il me restait quelques jours à peine parce qu'il y avait vraiment tout essayé. Puis là, j'allais décéder d'une pneumonie. Et à ce moment-là, moi, quand les médecins me l'ont annoncé, j'étais seule dans ma chambre. Il y avait trois médecins qui sont entrés. Ils m'ont annoncé ça. Et puis, dès l'instant où ils sont sortis de ma chambre, moi, je pleurais naturellement. Et est entré un prêtre, mais habillé comme dans l'ancien temps, si tu veux, parce que maintenant, les prêtres, tu sais, ils portent plus la soutane longue, etc. Et est arrivé un prêtre avec sa soutane longue. Et il m'a dit, il dit, écoute, il dit, tu as un enfant en bas âge. Puis moi, j'avais un enfant d'un an, donc je me suis dit, bon, probablement qu'il a lu ça dans mon dossier, je ne sais pas. Tu as un enfant en bas âge, tu es jeune, je ne laisserai pas ça arriver. Fait que là, je me suis dit, ben voyons, je comprends pas. Fait que là, j'ai dit, non, non, vous ne comprenez pas, les médecins m'ont dit que j'étais condamnée, je vais mourir. Fait qu'il dit, non, je ne laisserai pas ça arriver. Et puis, il est ressorti comme ça. Et le soir même, j'avais faim, j'ai mangé pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, j'ai été capable de me lever de mon lit. Et je pense 3 jours après, je sortais de l'hôpital. Et j'étais entièrement guérie alors que les médecins n'arrêtaient pas de dire que c'était impossible. Ils regardaient les radiographies puis, de mes poumons qui étaient revenus parfaits. Et comprenaient absolument rien de ce qui se passait, puis ils m'ont même dit, écoute, compte tenu de la gravité de la pneumonie que tu as eue, c'est sûr que tu peux t'attendre à avoir des pneumonies à répétition pour le reste de ta vie. Ça, c'est certain. Plus jamais eu aucune pneumonie. Jamais. Tu vois, hein? Ouais. Et c'est pas la seule visite que j'ai eue non plus. Je vais laisser les gens le découvrir dans ton livre parce qu'on ne veut pas tout révéler, mais pour toi, là, qu'est-ce qui est important avec la parution de ce livre-là? Bien, pour moi, ce qui est important, c'est que les gens, il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense, qui ont vécu des expériences et qui ont même peut-être des capacités, un peu comme moi, insoupçonnées. Et si à quelque part, par la lecture de mon livre, parce que moi, c'est vraiment lorsque j'ai connu Jean que ça m'a vraiment interpellée, puis que ça m'a vraiment fait découvrir et fait me remémorer tout ça, parce que pour moi, là, ce que j'avais vécu, là, c'était normal. J'étais bien normal, moi. J'ai jamais soupçonné que j'avais des capacités ou que j'étais pas normal. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça faisait partie de moi. Donc, juste le fait que les gens puissent lire mon livre et se rendre compte que, tabarnouche, c'est vrai, moi aussi, ça m'est arrivé, etc. Ouvrir les yeux sur l'invisible, sur ce, Ouais, tu sais. exactement. Donc, même, je finis mon livre en disant si le chapeau vous fait. Mais écoute, Chantal, c'est ça. C'est la raison pourquoi j'avais tellement envie que tu partages ton parcours avec nous parce que il y a autre chose dans la vie que ce qu'on pense qu'on voit pas. On est accompagné, on a des êtres qui sont là, qui puis bon, est-ce que tu sais, on pourrait qualifier ça d'expérience négative parce que tu as eu mal, mais en fait, ça t'a amené tellement d'autres choses, Tu sais, en tu sais? réalité, l'expérience de quand j'ai monté dans le vaisseau, puis que oui, c'est vrai que j'ai ressenti de la douleur, ça a été la seule fois parce que par la suite, toutes les autres expériences, j'ai jamais eu peur dans aucune expérience, je me suis toujours senti bien. Donc, c'est ça, ce qui m'a accompagné par la suite et qui m'accompagne encore aujourd'hui, pour moi, c'est positif, c'est pas négatif du tout. C'est ça, exact.
Peut-être qu'ils ont eu juste besoin de réactiver parce qu'ils T'as une montaient. capacité, ouais. C'est ça, je ne sais pas. Ou quelque chose d'une autre vie, on ne le sait pas. Ça, on ne sait pas. Hein? Faut rester ouvert. Alors, Exactement. demeurez ouvert d'esprit à la lecture de ce livre-là. Merci beaucoup, Chantal. On a Merci. réussi à faire notre entrevue. Merci et c'était super sympathique de faire cette rencontre-là avec toi. Bonne continuité. Merci beaucoup. Et puis, partager la vidéo, c'est important que les gens apprennent à ouvrir leur esprit à ces événements-là. Alors, Oui, merci à juste tous. pour te dire, dans le fond, Oui. si les gens veulent acheter le livre, Oui. ils peuvent le commander. L'endroit le plus facile, c'est leslibraires.ca. Et à ce moment-là, ben, ils font juste entrer leur code postal. C'est pour les gens du Québec, naturellement. Oui. Et ça leur donne leur livraison dans la librairie la plus près de chez eux. OK. Ils peuvent aussi aller sur Louise Renault. Courteau. Mais ouais, puis j'avais des adresses aussi que Jean m'a données à la dernière entrevue que je pourrais mettre. Oui, certainement. Ben, Parfait. bonne lecture à tous, puis j'espère que le chapeau va vous faire. Merci, merci beaucoup. Au Merci. Au revoir. revoir.